Savoir comment j'ai réalisé la recette là. Donc, stay wherever you are, grab your cup of tea, faut prendre ton thé ou ton coffee, café, tu vas t'asseoir, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la recette. You wanna know how I realized this beautiful recipe? So don't go anywhere, stay wherever you are and keep watching this video. I will show you guys step by step, okay? Step by step, I will show you everything here. All right? Okay. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le secret de la bonne cuisine. Hello everyone, welcome to my channel, secret de la bonne cuisine. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui on va faire une recette exceptionnelle. We're gonna do some recipe. Quelle? So for that we need spray onion, gris onion or onion vert. On a besoin de ça. Prune tomato is optional. One scotch bonnet, du piment, onion blanc, that's white onion, red onion, half onion red and half onion white, bell pepper, salt to taste, and that's my protein meat, that's turkey, and mutton meat as well. Mutton meat, ça c'est la viande du mouton et du dinde fraîche. Je les ai lavés tout. Et ça c'est du crevette sec, crevette. Ça c'est fish bonga en poudre. Ça c'est le poisson en poudre bonga. C'est ça on appelle du kale. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle du kale, c'est ça. Ça qu'on va faire aujourd'hui, j'ai déjà lavé tout parce que c'est pas lavé, vous savez, and wash. This is called kale, fresh vegetable. It's like spinach, and we need pine oil, and we need 2 maggi here, maggi, fish and beef, okay? And we need mackerel fish here, mackerel fish. So I hope I present you all the ingredients. If I forgot anything, I will show you guys later. All right. So let's start. So we're gonna boil our meat first. We're gonna boil the meat, and after we're gonna chop the ingredients. Anyway, I will show you everything, all the process. Je vais vous montrer tout. Si j'ai oublié quelque chose, je vais vous faire voir ça après. Ok? Mais on va mettre ça au feu d'abord pour bouillir. All right. Voilà, j'ai mis ma marmite. I put my pot in. I'm gonna put this one here. My meat. Donc, je vais bouillir ça très bien. On va avoir garlic. Ça, c'est de l'ail en poudre. Mais si tu veux, tu peux mettre du frais one. Salt to taste. And maggi, half of it, half maggi here, yeah. And the ginger, a little bit of that, and onion give flavor. When you boil your meat with onion, it gives a lot of flavor. Ça donne beaucoup d'arôme. Excusez-moi, je me suis coupé là, la main, quand je nettoyais ma viande. I cut myself, so don't mind my hands. Ignorez ma main là, hein? Je me suis coupé. I cut myself, so that's all. Get it. So I'm gonna cover this. I'm not gonna add any water yet. Just boil this one for 5 minutes or 10 minutes, okay? Je vais cuire comme ça pendant 5 minutes à 10 minutes.
Voilà, on va écraser les condiments maintenant. Je vais mettre ma tomate ici. Prends tomate, la carotte est optionnelle. Chili, oignon. Les fiches. And a little bit of water to help me to blend it. I'm gonna blend this one roughly, not smoothly. Like you can see, there's like you wanna press parsley, okay? Roughly. Ok, c'est bon maintenant, donc on met ça à côté, on va aller voir la viande maintenant, ok? We're gonna check our meat now, alright? This one, side. Now it's been 10 minutes, my meat's been cooking. Ça fait 10 minutes maintenant, ma viande a tout recul. Maintenant, je peux enlever les turkeys et je mets dans mon tray ici pour oven. I wanna grill my turkey. Je vais griller mes dents dans le micro. No, my meat, just my turkey and my fish. I'm not going to grill my meat. Je ne vais pas griller ma viande, juste mon turkey. Voilà, je vais mettre ça au four avec mon poisson au four. Ok, I'm gonna put this one in my oven. I already preheat my oven until I see my turkey is green. Ok, je vois que c'est bien doré là. Je vais mettre de l'eau ici d'abord pour ma viande pour que ça cuit là très bien. Donc je laisse ça bouillir là-bas et je vais mettre mon poisson et les deux là au four, ok? Je vais mettre les deux là au four. Et voilà, j'ai mis la marmite. Je vais bouillir un peu mon kale parce que c'est un peu dur. The kale is a bit hard, so to make it soft a little bit, so I need to boil it for at least 10 to 15 minutes. Je vais bouillir ça, c'est un peu dur. Donc, je vais bouillir ça au moins pendant 10 minutes à 15 minutes. Je vais mettre ici et laisse ce bouillir là. Pendant 10 minutes, ok? Qu'elle n'est pas comme épinard. Donc, si tu veux préparer ça, tu veux vraiment, you want to enjoy your food, make sure you boil it for at least 10 minutes, ok? To make it soft. Pour être que ça soit un peu, pour ne pas que ça soit dur, quoi. Voilà, je laisse bouillir ça, comme je vous ai dit. I'm gonna leave it to boil for at least 10 minutes. 1 minute, 15 minutes. All right. Now it's time to check our pot. Yeah, no, my pot. Your pot. Our pot. Yeah, all right. We are not mommy. Come on, mommy. Okay. I think my meat is cooked. Yeah, nearly cooked now. So now, je vais mettre my blender. Je blende là. Je vais couvrir ça encore. Je vais
laisser bouillir ça très bien. I'm going to cover it again and leave it to boil like this for 15 minutes, for 15 minutes encore. Je vais revenir pour revoir. My kale is cooking there too. Voilà, je vais enlever mon kale maintenant. Ça fait 10 à 15 minutes que ça cuit. I'm going to take it off. Je vais mettre ça dans l'eau froide pour ne pas que ça continue à cuire quoi. Ok? That's cold water. To stop the cooking process. Voilà, j'ai enlevé les parties dures. Tu peux faire ça en lavant ou bien quand tu bouilles. Moi, je fais quand j'ai pris le bouillie. Parce que il y a les parties très dures. The hardest part, I take it out. You can do this one when you wash it or like when you finish to boil it. Me, I did mine when I finished to boil it. So, you see, I take off from off camera, check everything. I make sure there's no the hard parts. Because that one is not nice. You don't want to see this on your food, is it? Tu veux pas voir ça dans ton marché. Donc j'enlève ça. Je regarde encore s'il y en a. Je make sure everything is out. That's why I prefer you do this one before boiling. I forgot to take do it mine. J'ai oublié de faire pour moi. Donc tu peux faire avant de bouillir d'abord. J'enlève les parties très dures là. Si tu veux, tu découpes encore. C'est déjà découpé. Mais si tu veux, tu peux découper encore. Je ne veux pas voir les parties dures là. Voilà. It's okay now. C'est bon maintenant. J'enlève tout, 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 tout. It's okay now. So let's go and check our pot now. Okay? Voilà, on va revoir notre pot là. I have my pan oil. J'ai oublié de vous montrer ça. I forgot to show you earlier my okra. So I'm gonna have the okra. The leftover my keep magi. And my fish magi. I'm gonna have it. It's hard to break. You break them. The color is popping here. My local beans, ça c'est du Sumara, local beans. Okay, I have my vegetable. Je vais mettre mon vegetable. My bonga fish. Okay, fish bonga. Important bonga. Je vais mettre ça aussi.
four et mon poisson. Après, on va mettre ça. Ok, je vais couvrir comme ça et laisser cuire ça. My turkey and fish are ready. I'm gonna leave it to cool down. After, I'm gonna take the bone out from this one and put the turkey as well. Okay. It's ready. Wow, it looks so yummy, 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 yummy. Yeah, keep it. I feel like I'm having that turkey now. J'ai mis mon dent fumé. Je ne vais pas mettre mon paquet d'abord. Just a little bit. That's enough. And keep it the same. I should keep my color. So I'm gonna fry this one. After I will put the fish now, okay? Après, je vais mettre du poisson maintenant. Mais je vais attendre d'abord un peu. Pour 5 à 10 minutes. Je vais prendre mon poisson maintenant. J'ai enlevé les arêtes, tout et tout. I take the bone out from my fish now. I have my fish. Let me check if there's no bone. Because of my kids. Because my daughter is them la sauce. My kids, they love it. Don't want the bone. So my food is ready now. Now, you can have this one. Voilà, ma sauce is ready now. My carrots, vegetable stew is ready to eat. You can have this one with boiling rice, boiling potato, banana, planté à mine. Tu peux manger ça avec de la banane locaux. Tu peux manger ça avec du riz. J'espère que la vidéo là vous allez aimer. Si c'est le cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, like it, comment below, and thumbs up for me. Ce que tu as vu, tu as aimé, n'oubliez pas de t'abonner, partager, aimer et ma pouce bleu à l'air pour moi. Oh my goodness. Oh my goodness. You know, Kelly is so healthy. Kelly is so healthy. Oh. Kelly is so healthy. So, Kelly, c'est très bon pour la santé. C'est très bon. Et voilà, ma sauce is ready. Ma Kelly sauce is ready. Ma vegetable Kelly is ready to eat. C'est prêt maintenant. Il n'y a rien à faire sauf à manger ça quietly.